Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Eritor. Cette vidéo, elle est spécialement dédiée à tous les fans d'Ibawan, que j'ai nommé les Gladiens. Les Gladiens, écoutez-moi bien, hein? Écoutez-moi très bien, soyez très attentifs à cette vidéo-là. Je vous prie de la partager, partout, parce que j'espère que les détracteurs d'Ibawan vont comprendre mon message et vont passer à autre chose, parce que ça devient de la sorcellerie. C'est incompréhensible, moi. J'arrive pas à comprendre. Donc, je vous prie de partager massivement cette vidéo-là. Parce que elle est adressée à vous, les gladiens. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ce qui se passe autour de l'Atis Ibawan. Restez concentrés et on se prend pour le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez bien. Pour les gladiats qui ne connaissent pas mon artiste Nojo, je vous prie d'aller lui donner de la force. Son lien est sous ma vidéo. Allez écouter sa musique. Allez écouter sa musique. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous à sa chaîne. Son lien est dans la description. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Vous avez bien vu ce que j'ai titré. J'ai mis Ibawan. Des sorciers lui en veulent terriblement. Effectivement, moi, j'arrive toujours pas à comprendre cet acharnement-là vis-à-vis de cet artiste-là qui est tellement discret, tellement effacé, mais qui est très populaire par son humilité et par son talent. J'ai vu certains posts ces derniers moments, j'avais pas envie de réagir, mais ça en était de trop. Il y a un groupe de sorciers, en particulier un sorcier, que je vais taire le nom, parce que franchement, quand tu as un certain âge et que ta maturité n'a pas grandi avec ton âge, tu ne mérites même pas qu'on prononce ton nom. Vous savez, dans la vie, là, on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est ce que vous, les gars, vous devez comprendre. Si vous avez décidé d'aimer Ibawan, c'est noble, c'est votre choix. Et assumez-le pleinement. Mais ne regardez pas ces personnes-là dépourvues de bon sens, qui n'ont rien dans la cervelle, à la limite qui sont insignifiantes, mais qui veulent forcément se faire remarquer par la négativité, en fait. Voilà. Je ne sais même pas, est-ce qu'on a besoin de se faire remarquer en humiliant, en insultant, en rabaissant autrui? Je ne sais pas pourquoi. C'est bien triste de le savoir, mais j'aimerais dire à vous les gladiats de rester concentrés. Parce que vous savez, un enfant de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans peut conseiller ce genre de personnes. C'est des personnes qui vont mourir comme ça, je vous explique. C'est comme une malédiction. Elles sont nées pour être aussi négatives. Elles sont nées parce qu'elles ont raté leur vie en fait. C'est que des lèche-bottes. Des personnes qui ne comptent pas, qui n'ont aucune valeur. Des personnes qui jouent toujours sur la récupération. Parce que quand j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte des 54 ans de cette idiote de personne-là, parce que pour moi, ce n'est pas une grande personne. C'est un gros bébé qui a malheureusement vu les années passer dans sa vie, c'est tout. Mais il est resté toujours bébé dans la tête. Donc ça ne doit pas vous offusquer de voir tout ce qu'il fait actuellement. Il y a même un autre, bon, bref, un rappeur perdu. Qui est inconnu du public malien, qui veut forcément se faire remarquer en insultant son collègue, c'est même pas son collègue, un gros poids lourd du rap malien, mais c'est peine perdue, c'est peine perdue. Et ce que vous devez savoir aussi, cher Gladia, c'est que je suis sûr d'une chose, moi j'aime pas rentrer dans la polémique, mais il y a quelqu'un derrière tout ça. Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette campagne de déstabilisation, dans cette campagne de vouloir déstabiliser l'artiste Ibawan qui est très concentré sur son album qui va sortir bientôt et qui va cartonner de ouf. Cette main noire-là, sache que tu n'es pas au-dessus de Dieu. Quelle que soit ta jalousie que tu vas manifester, cela ne pourra pas atteindre cet artiste-là parce qu'il a la bénédiction de cette mère-là que vous insultez à tout bout de champ. Il a la bénédiction de cette femme-là qui ne prie que pour lui. Vous savez, souvent je trouve ça drôle parce que personne ne décide d'avoir un problème mental ou bien de tomber malade. Personne ne décide. C'est la vie qui est comme ça. Donc aujourd'hui, toi, tu ris par rapport à la situation de quelqu'un. Mais est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? Est-ce que tu sais ce qui va arriver à ta soeur, à ta fille, à ton enfant, à ta femme, à ta maman demain? Parce que quand Dieu veut punir, il punit à tout âge. Il ne donne pas de période bien spécifique. Donc, je vais dire aux gladiats de rester concentrés. Je vous prie. Vous voyez comment je fais la vidéo sans prononcer le nom de quelqu'un. Je vous prie de rester concentrés parce que on veut juste vous distraire. Maintenant, pour montrer que
entre Iba One et le reste de ses détracteurs, mélangez tous les artistes que vous voulez mélanger, si vous voulez, il n'y a pas match. C'est lui le boss. Et ils le savent. Et c'est parce que c'est lui le boss qu'ils ont mal. C'est parce que c'est lui le boss qu'ils font tout pour le descendre. Et malheureusement pour eux, plus ils amusent à vouloir le descendre, plus Dieu le bénit grandement. Donc, je veux que tous les gladiats s'apprêtent pour la sortie de l'album. 1. Vous devez vous lancer le défi de faire la meilleure vente jamais faite au Mali et même en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a des gladiats. Par exemple, moi. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous n'avez pas l'habitude de regarder intégralement ma vidéo, mais je dis beaucoup de choses très intéressantes dedans. Beaucoup de choses très intéressantes. Il faut que l'album d'Iba One soit l'album le plus vendu de tous les temps au Mali. Parce qu'il le mérite amplement. Il a les fans pour. C'est pourquoi j'ai dit dans certaines de mes vidéos passées que si tu te dis Gladia, tu dois préparer au moins un billet de 10 000 pour acheter l'album ou deux albums de ton artiste pour juste augmenter les ventes. Je ne veux pas qu'un bienfaiteur, un milliardaire ou un millionnaire se leur fout dire j'achète tous les CD de trucs Iba One pour distribuer. Ça ne sera pas intéressant. Il faut que nous-mêmes les gladiats, vous les gladiats, que tu sois aux États-Unis, au Mali, en France, partout en Afrique et dans le monde, obtenir de procurer le CD de l'album Empire d'Iba One à sa sortie. Parce que si vous voyez toutes ces personnes-là, on va dire s'exhiber autour de cet artiste-là, c'est parce qu'ils savent que l'album d'Iba One qui arrive est trop lourd. Ne répondez pas à ça. Ne rentrez pas dans ces bassesses-là. Et puis, je profite encore pour m'excuser si beaucoup parmi vous n'ont pas compris mon poste d'hier. Je n'étais pas en train de faire la promotion de ce poste-là, non. C'est parce que j'étais tellement écœuré, tellement en colère, que j'ai même titré « Qui a osé ?» Moi, on ne touche pas à ma mère. On ne touche pas à une femme. Surtout une femme sans défense. Iba One, on dira que c'est le game. Insultez-le comme vous voulez. Mais souvent là, ayez un peu honte. Ayez un peu de pudeur et de dignité. Laissez sa maman où elle est. Que ce soit ce qu'elle est là, nous les gladiants, on l'aime. Son fils l'aime, c'est plus important. Elle n'est même pas au courant de tout ce que vous faites. Si ce n'est que de la malédiction que vous attirez sur vous et votre descendance. Qu'est-ce que cette belle dame-là a pu bien faire? Même la photo que vous publiez, est-ce qu'il y a une de vos soeurs, votre femme, même votre mère, peut se comparer à cette dame-là? Si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle ne se sent pas bien. Une belle femme de chez belle femme, de chez quoi, très intelligente. Mais la maladie a eu raison d'elle. Mais ça ne vous donne aucun droit pour forcément vouloir déstabiliser son fils, l'insulter aussi. Mais sachez que, plus vous insultez cette dame-là, elle transforme ses injures en bénédiction. Plus sur la vie et la carrière de son fils. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Moi, perso, si je veux commencer à faire des recherches, des enquêtes, pour vous descendre un à un dans vos histoires de posts et de vidéos que vous faites là, je vais vous ridiculiser. Parce que quand je vous vois votre manière de faire des vidéos, c'est drôle en fait. C'est juste qu'on m'a dit, mon handicap dans le game, ou bien dans le game, dans le showbiz malien, c'est que je ne maîtrise pas bien le bambara, c'est tout. Ce sont la plupart des personnes qui aiment insulter, qui aiment rabaisser, dénigrer Iba One ou insulter sa mère là. On sent par votre manière de faire des vidéos et par vos posts que vous n'êtes pas trop intelligent. On sent que vous n'avez pas quelque chose dans la matière grise. Il n'y a rien. Zéro, c'est vide. Et comme vous êtes tellement médiocre, vous pensez que vous pouvez vous défendre que par les injures. Mais le mec, il ne vous calcule pas. Bien au contraire, quand vous faites ça, ces gladiats sont encore plus motivés que jamais. Donc, chers gladiats, restez concentrés. Laissez les gens parler. Nous, on attend l'album Mon Empire. Et puis, ils vont voir la magie. Je lance aussi un appel à tous les gladiats. Je sais que beaucoup parmi vous ne maîtrisent pas trop l'outil Internet. Mais il faut s'y atteler. Il faut aller augmenter les abonnés de la chaîne YouTube d'Iba One. Il ne peut pas avoir plus d'un million d'abonnés sur Instagram, plus d'un million d'abonnés sur Facebook. Et il n'a pas encore 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 au moins sur sa chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Et bien maintenant, ça sera du sans pitié. Toutes les chaînes qui vont s'amuser à vouloir publier les œuvres d'Iba One seront supprimées. Vous pouvez compter sur moi. Voilà. Avant, je regardais, je me disais, bon, ils sont en train de perdre le temps. Mais on va utiliser les mesures drastiques maintenant. Voilà, on va vous faire ça, vous allez comprendre. Le game, c'est la musique. Tu dis, tu es fort, il faut chanter.
La mère d'Ibawan, laissez-la en paix. Elle ne vous connaît même pas. Elle ne prie que pour son fils et ses femmes. Voilà. Donc, chère Gladia, écoutez-moi bien. Allez augmenter la chaîne YouTube d'Ibawan. Vous en avez la capacité. Allez vous abonner massivement. Et puis, apprêtez-vous. Ne soyez pas distrait. Je ne veux pas voir de Gladia à faire des vidéos pour insulter. C'est vous mettre au même niveau que ces derniers-là. Ces derniers-là n'ont aucune valeur. Ils seront confondus tôt ou tard. Je vous disais jadis ici, on ne force pas deux personnes à se réconcilier, surtout dans certaines circonstances comme ça. Et toi, le vieux idiot, va chercher ta cervelle où tu l'as laissée. Et oublie un peu cet artiste-là, parce qu'il ne te calcule pas. Garde tes vérités pour, ton anus. Il faut les fourrer là-bas. Et puis tu laisses Ibawan en paix. Et tous les plaisantants autour, vous êtes insignifiant auprès du boss Ibawan. C'est ça qui est la vérité et c'est ça qui vous fait mal. Ça ne changera pas. Vous avez conspiré et vous avez amené même le coronavirus. Oui, c'est vous qui avez amené le coronavirus. Vous n'êtes pas que le gars casse encore. Il vous montre un peu comme une fois casser le stade du 26 mars. Il ne suffit pas de faire un spectacle au stade du 26 mars. Il suffit de le remplir correctement jusqu'à l'extérieur. Et c'est Ibawan seul qui fait ça. C'est ça qui vous fait mal. Vous vous vantez de l'avoir rempli plusieurs fois. Vous avez rempli ça comment? Vous avez rempli ça comment? Il y a toujours du vide. Quand c'était vous. Ça, Ibawan peut le faire. Moi, comme c'est un artiste qui est très bien organisé et qui était très professionnel et qui connaît ses fans, c'est pas de la concurrence. Il donne les rendez-vous du 26 mars à ses fans quand il veut et quand il sent la motivation de ses fans. C'est pourquoi il remplit ça correctement jusqu'à la pelouse. En tout cas, j'espère que je me suis fait entendre. Chez Gladia, on reste concentré. On ne rentre pas dans ça. Laissez ce vieil idiot-là raconter ses âneries. Seul Dieu le punira. Et puis, on ne discute pas avec un ancien prisonnier qui est de surcroît un voleur. Un voleur, ça reste un voleur. Voilà. Je m'arrête là. Donc, partagez massivement cette vidéo-là. Et puis, j'ai déjà dit, je vous ai mis en garde. J'ai dit, si je commence à faire des enquêtes pour faire des vidéos sur chacun de vous, ça ne va pas vous arranger. Parce que vous ne savez pas faire des vidéos. Vous êtes trop plat dans vos manières de faire des vidéos. Vous ne connaissez rien parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes tous des idiots. Voilà, c'était irritant, ça ne chauffe pas. Tiens, Gladia, chez Ibawan, il faut partager ça. Dans les groupes des sorciers d'Ibawan, il faut partager ça là-bas. Voilà. Ciao, ciao.